c'est grave. Voilà, on va rentrer dans cette étrange ferme. Ici. Hein? C'est par ici, désolé. C'est par ici? C'est par ici, voilà. Ouais, comme ça. Ah, je sais bien, c'est... Tu sais tenir ça, Eric? Ouais. C'est comme ça. C'est toujours délicat. Toujours délicat. C'est toujours la chose. Entrer à la maison, manger les saucisses, c'est une chose. Ici, c'est plus à l'aise. Quel bordel. Bonjour, nous n'allons pas pour vous embêter. Nous sommes là juste pour savoir s'il y a une vie après la vie. J'entends pour filmer. Excusez-moi. Bonjour monsieur, bonjour madame. J'ai l'impression que ça a été visité depuis que je suis venu. Ça, c'est des gens qui veulent chercher l'argent. Un tiroir a été ouvert. Ça a été fouillé ici. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ces auteurs ici. Il y a encore tout. On sent vraiment les gens encore. On va respecter tout ça. Oui, il faut le dédicacer. C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. C'était janvier 1930. Ma terre, Maurice. Maintenant, on pourrait peut-être juste mettre Eric. Eric. Attends. Effectivement. Je suis pressé. 16 juin 1930. Plus âgé que mon père. T'as plus les esprits directement. Ah ouais. Bon, enfin, un peu d'abord la visite du propriétaire. Et puis... bah, Eric, j'ai pensé à prendre des bougies. Hein, je pense qu'il faudrait. Quoi? Faire une séance directement maintenant ici. Maintenant, direct? Tu crois? Ouais, on va essayer, hein. D'abord visiter un peu les chambres et tout en haut. Hein. Ouais, on peut faire le tour. Et puis on revient ici. Je vais essayer alors, je reste ici moi. C'est le temps de visiter. Il y a une odeur ici, c'est épouvantable. Vous étiez malade, monsieur? Voilà, je vais lire ça, je le sens l'auteur, tu vois? Je sens le monsieur seul. Ah, tout à fait. Ils ont ça, la fenêtre ici était bouchée, tu vois, ils ont mis du... Ils ont collé les rideaux. Là. Je suis sûr.
c'est une belle pièce. Il y a encore quelques tableaux. C'est la photo que j'ai mise sur la page pour l'instant. Ouais, la cheminée. J'ai mis cette pièce-ci. Voilà, nous découvrons tout doucement ce lieu étrange. Complètement abandonné. Comme si la personne venait juste de partir. On a l'impression qu'il serait encore susceptible de revenir. On se croirait ici reporté dans les années 30. Comme si le temps s'était arrêté. Oui. Après l'étage, j'ai l'impression qu'il y a eu de la visite, moi. Ici, c'est l'étage, tu vois. Voilà, bonjour tout le monde. Nous sommes ici maintenant occupés à réaliser une nouvelle enquête RPB. Donc, nous avons découvert une ancienne ferme qui a été découverte par un ami urbexeur qui m'a transmis l'adresse, qui s'est senti un petit peu bizarre ici. En effet, quand vous verrez la vidéo, on voit que l'endroit a été complètement abandonné, mais qu'on a l'impression que les personnes sont encore dans les lieux, on a l'impression, en fait. Ouais. Tout est là, tout leur courrier est là, les meubles, les vêtements, tout est resté là. Il s'agirait en fait d'un certain Maurice Matin, qui serait décédé en 2011, et qui apparemment, soit ne laisse aucun héritier, soit a une succession, une indivision qui n'en finit plus. Voilà, alors on a décidé de venir dans ce lieu, de vous le montrer, qui est quand même fort étrange. Hein. On a l'impression d'être plongé en pleine année 30 ici, de se retrouver avant la Deuxième Guerre mondiale un petit peu, avec des vieux meubles, des vieilles chaises, du matériel. C'était probablement une ferme, il y a toute une annexe ici où il devait y avoir des animaux. On va encore visiter les chambres en haut, on aura montré toutes les pièces du rez-de-chaussée ici. Et on va voir si, apparemment ce sont deux frères, qui serait décédé vraisemblablement d'après le document qu'on a vu ici. Donc peut-être quelque chose va-t-il rester dans les lieux. Rien n'est moins sûr, nous verrons bien. On va essayer de tenter l'enquête avec K2, matériel comme on fait d'habitude, hein, caméra infrarouge, etc. Et nous verrons si on arrive à capter quelque chose. Mais déjà on arrive à fouiller dans les papiers et on arrive un peu à trouver l'histoire du bâtiment, ce qui est déjà très passionnant. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à mes collègues. Voilà, par contre, nous n'allons plus donner l'adresse des maisons où nous allons. Comme ça éviterait bien des problèmes, et bien des clashs, des fois sur notre page. Donc voilà, nous avons une enquête, RPB. Nous ne donnons plus d'adresse. Voilà, Jérôme. Oui, je pense que c'est mieux comme ça. Et en ce qui concerne cette maison, moi je m'y sens plutôt bien. Je me sens à l'aise. Hein. Ouais, je ne ressens aucun malaise. Bon, on verra si on trouve quelque chose, si on capte quelque chose d'anormal. Car des personnes sont décédées ici, c'est apparemment acté. C'est comme si on serait ici chez nous en fait. C'est vraiment bizarre. Je sais pas, Kelly, si tu as envie de dire quelque chose. Oui, Kelly aussi. Présente-toi un peu. Notre enquêtrice Kelly, si elle veut bien se présenter. Fais comme tu veux. Bonsoir. Non, je pense qu'on se sent bien, quoi. Un peu une visite chez papy et mamie, quoi. Voilà, c'était Kelly. Tout simplement. Elle ne parle pas beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, très intelligente. Donc voilà. Merci Kelly. Eh ben, nous allons commencer l'enquête. On va visiter les lieux.
On va s'attaquer aux étages maintenant. Et... Ouais, on va tout attaquer, alors attaquer. Hein. Bonne vision. Cher voilà. Monde, merci. Merci. Et à la prochaine. Ça se lève, les gars. Ça se cabre. Oh. Des chambres qui datent de 19e siècle à peu près. Je sais pas quand en plus. En tout cas, ça devait aller vite à chauffer. Pour ça, oui, ça. C'est moi. Oui, c'est toujours moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un cheval à bascule. Un cheval à bascule qui bascule tout seul. Flippant de trouver ça comme ça, ouais. Cette poupée. Je me sens moins bien ici que celle d'à côté. Ici. Ah oui, le petit cheval. Tu te sens bien ici, toi, cheval. Toi, Jérôme. Non, j'ai rien de coupant. Il y a Jésus ici. Putain, Jésus. La belle croix. Ça, c'est... T'as la tête qui est en train de tourner, c'est incroyable ça. Ah bah, fille, qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, j'ai aucune réaction de rien du tout. Hein. Peut-être qu'il tourne, les gars. Vous avez avec un arrêté, il faudrait que tu le tiens, tiens. C'est du costume. Oh. Ouf, voilà. Tu l'as eu, voilà. MacGyver avec une boîte de sardines. Des journaux. Des journaux.
Celui-ci. Peut-être les gens ils sont morts ici. Même certainement, je dirais. Morts. Ben, c'est des meubles qui ont une certaine valeur à vendre. Hein. Mais ça. C'est des meubles anciens. Ça. Les gens recherchent. Ah, ça c'est recherché. Ça s'appelle un lavabo. Ça s'appelle un lavabo. On descend dans les chambres. Il y a ça chez mes parents. Donc, Paul, il y a. C'est du solide, hein, mais je crois que t'achètes ça, ça. C'est pas du Ikea qui s'écroule au bout de 10 ans, quoi. Ici, ça sent comme à salver ma terre, je ne sais pas si tu te souviens. Il y avait cette odeur là aussi. Médoc là. Ah non, c'est pas les médocs ça, c'est les antilles. Flex. Il y en a, ouais. C'est quoi ça? Ce sont aussi des belles vieilles armoires ça. Quand des vieux vestons, mon dieu. Oh. Y'a-t-il quelqu'un parmi nous? C'est pour nettoyer les araignées, tu vois. Pas qu'une unième pièce. Et ici, c'est pas grand. Hein. Monsieur, est-ce que vous êtes parmi nous? Nous voulons juste prendre de vos nouvelles. Pouvez-vous nous faire un signe de votre présence? Un petit bruit. Qui arrive là? Non, ouais. Tu as quelque chose? Ouais, il a du mal. Hein. Oh là là, monsieur. Oh les gars. Allez, bien, j'ai ma tête qui tourne. Ouais. Alors là, ça devient flou, puis ça redevient net, puis ça redevient flou, c'est bizarre. Il y a des lumières debout.
bougies aussi. On dirait que je ne faut pas que je les vise, quoi. On dirait que je suis dans le... Ouais, dans le brouillard. Où est-ce que je suis assis, monsieur? C'est là que vous étiez tout le temps. Il y avait une télé en face. Vous étiez seul? Y a-t-il des entités présentes dans cette maison? Tu peux parler, on va t'entendre dans l'appareil là. Tu es là. Nous nous adressons aux anciens locataires de la maison. Peux-tu dire un des prénoms ici à la table? Comment je m'appelle? Ta maison. Je crois ta maison. Ouais. C'est triste pour ta maison, Maurice. Réponds-nous. As-tu un message à nous faire passer? Que pouvons-nous faire pour t'aider, Maurice? Dans ta maison, dis-nous. Allô? Je vous entends, hein? Dis-moi, Maurice. En appelant aux esprits qui sont présents ici, dans cette maison. Vous êtes combien? 2, 3, 4. Répondez-nous.
Après, nous allons vous laisser en paix. Je ne comprends pas, Dieu. As-tu habité cette maison ? Les réponses, est-ce que tu m'entends, oui ou non ? You speak English? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Allez, réponds-nous. Oui. Ok. Est-ce qu'on doit partir maintenant?